On a eu une première mi-temps difficile où on a perdu beaucoup de ballons, il y a eu beaucoup de déchets. Trélissac a eu pas mal de transitions et de contres. Ça s'est mieux passé en deuxième mi-temps. On a senti qu'il y avait plus de vitesse, plus d'appels aussi. Et puis on a été récompensé de nos efforts. Et puis après, il y a le fait du match. Donc je pense qu'il y a une première faute sur Valentin, Rémi, qui n'est pas sanctionné et ça amène un rouge derrière. Je ne conteste pas le rouge. Je conteste la faute et ça n'aurait pas amené le rouge. L'adversaire y a cru forcément et a marqué un but d'une frappe magnifique de 25-30 mètres. Et puis après, il a fallu lutter pour garder ce score.